Voilà, pour cette première vidéo, je suis au Puy de Dôme en Auvergne. C'est une région que je voulais vous faire découvrir qui est assez sous-estimée comparée aux Alpes ou aux Pyrénées, mais qui est tout aussi magnifique. Après cette première rando du côté du Puy Pariou pour apercevoir le Puy de Dôme, il me reste énormément de choses à voir ici en Auvergne. Direction Clermont, le chef-lieu du Puy de Dôme. Pas mal de petits villages sympas aussi. Là, je suis dans le village de Le Crest. Assez sympa, assez atypique. Le village de Le Crest fait partie de ces nombreux villages de la région qui valent le détour. Bien évidemment, tout le monde connaît le très connu village de Saint-Nectaire, mais j'ai eu la chance de passer dans d'autres, comme Murol et son super château, le Mont d'Or et beaucoup d'autres. Cette fois-ci, je suis dans le village de Montperrou, l'un des plus beaux villages du Puy de Dôme. Là aussi, c'est très très sympa, très médiéval. Bon, cette première journée s'arrête là. Demain, j'ai encore plein de choses à découvrir. L'un des lieux incontournables de l'Auvergne, c'est le Puy de Sancy. Donc là, je suis en train de grimper pour atteindre le sommet. C'est un peu plus dur que la veille. Bon, je crois qu'on approche du sommet. Là, on peut déjà apercevoir les monts du Cantal, le Puy-Marie. C'est pas très long, hein. Il y a, au départ de la station du Puy de Sancy, vous avez à peu près 6 km, 7 km. En 4 heures, c'est fait. Mais ça, c'est assez pentu quand même. Ça peut être assez dangereux, donc. Mais c'est juste magnifique. mètres d'altitude. C'est le point culminant du Puy de Sancy. Cela fait de lui actuellement le plus haut volcan en France métropolitaine.
La région est un vrai paradis pour les randonneurs. Les randos sont très accessibles. Comme cette cascade que l'on nomme la Grande Cascade. Bon, on termine cette longue journée, cette belle et longue journée, par la vallée de Chaudefour, un endroit juste exceptionnel. Je vous laisse avec les images. Bon, mais voilà, je vais en terminer là avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de venir ici en Auvergne, dans la magnifique région du Puy-de-Dôme. J'ai pris un petit coup de soleil ici. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, dites-le dans les commentaires. Si vous n'avez pas apprécié, dites-le aussi. Voilà, c'était ma première vidéo en vlog, donc si je peux m'améliorer, il ne faut pas hésiter. Et puis on se retrouve dans les prochaines aventures. Ciao! À mon goût, le Puy-de-Dôme est une région sous-estimée. Et pourtant, elle est véritablement magnifique.